Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo qui fait suite donc à la vidéo où vous choisissez mon coloriage. Donc je vous avais proposé quatre coloriages et c'est celui-ci qui a été choisi. Donc dans ce livre-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un livre que j'adore, que je trouve vraiment très très joli, mais sauf que je n'ai jamais osé me lancer dedans parce qu'en fait j'ai du mal avec le grayscale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le grayscale, ce sont des dessins où il y a déjà des ombres qui sont posées dessus avec du gris, tout simplement. Et moi, en fait, ce genre de choses, ça me bloque un peu parce que maintenant j'ai l'habitude de poser toute seule mes ombres, etc. Et c'est vrai que ouais, ça a tendance à me bloquer, mais ça peut être très bien pour des débutants, ce genre de coloriage, justement. Ça peut vous aider à placer vos ombres, mais moi du coup, maintenant ça a tendance à me faire l'effet inverse et ça a tendance à me bloquer. Donc ça va être l'occasion de faire ça avec vous et de me lancer enfin dans le grayscale et d'essayer de finir un coloriage au grayscale. Et puis qui sait, peut-être que je vais adorer ça et que je vais vouloir recommencer plus tard. Donc on va voir, j'appréhende un petit peu, mais c'est pas grave, on va le faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous proposer également ce coloriage, c'est pour me lancer un peu des petits défis comme ça. Donc voilà, c'est parti. Alors je pense déjà faire les fleurs. C'est peut-être ce qui va le moins me poser de problème. Donc je vais faire ça avec mes Prismacolor. Je pense faire les fleurs dans des teintes un peu orangées. J'ai comme idée de faire donc les fleurs dans les teintes orangées parce que je vais faire des oiseaux, je pense, dans des teintes bleu-vert. Et à voir par la suite la femme, ce qui pourrait bien se marier avec tout ça. Mais je vais déjà partir des fleurs et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment un gros challenge pour moi de faire ça. J'ai vraiment du mal. Donc je vais prendre la couleur rouge carmin. Ainsi que la couleur teinte orange cadmium et la teinte jaunâtre. Voilà, je vais prendre ces trois teintes-ci. Donc un jaune très foncé, un orange bien pétant et un rouge. Donc ouais, j'y vais vraiment à tâtons, je sais pas trop comment procéder. Donc je vais commencer avec la teinte la plus claire, donc la teinte jaunâtre, que je vais passer de façon uniforme sans appuyer sur ma fleur, pour déjà créer ma base. Donc je verrai, je vais peut-être faire une fleur comme ça avec vous et puis je vous montrerai le résultat par la suite. Parce que de toute façon, ce sera la même technique pour toutes. Donc voilà, je viens de passer une couleur claire uniformément. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc la teinte rouge carmin. Et je vais venir donc du coup sur les zones qui ont été foncées. Et je vais venir repasser dessus. Vous voyez, c'est ça moi qui me bloque, c'est que du coup. Enfin, tout est déjà prédéfini. Alors ça peut être voilà très très bien pour des débutants, mais moi je sais pas, ça me. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ça me bloque dans mon coloriage et. Donc je vais venir maintenant avec ma teinte le orange tout simplement. Et je vais venir intensifier ma couleur foncée. Donc c'est-à-dire que je vais étendre la zone, je vais déborder, bien déborder même. Parce que j'ai fait le choix de ne prendre que trois teintes. Mais si j'avais pris plus de teintes intermédiaires, j'aurais un peu moins étendu et j'aurais travaillé avec les autres couleurs. Mais comme j'y vais un peu à tâtons, j'en ai pris trois pour commencer. Alors, c'est pas assez foncé pour moi. Je pense que je vais prendre du noir pour intensifier et je vais venir repasser mon rouge. Parce que là, ça ne me convient pas. Donc, je vais venir passer mon noir. Plus ou moins intensément, hein, ça dépend des zones, bien évidemment.
J'espère vraiment ne pas rater ce coloriage parce qu'il est vraiment très joli. Donc là, je reprends ma teinte, mon rouge. Et je vais venir repasser sur mon noir. Et je vais venir reprendre de nouveau mon orange. Je vous dis, j'y vais vraiment à tâtons. Donc ce que je fais, je sais pas si c'est correct ou pas. Et maintenant, avec mon orange, avec mon jaune, pardon, je vais venir terminer les zones qui me restent. Je vais venir repasser sur certaines zones pour éclaircir un petit peu. Bon, voilà, j'ai réalisé ma première fleur. Je suis pas réellement satisfaite de moi. Je vais continuer de mon côté de faire les autres et je vous reprends juste après. Bon, me revoilà. Donc j'ai terminé de faire les fleurs. Va falloir que je m'entraîne, hein. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le grayscale. Je sais que ça aide beaucoup de débutants, mais c'est vrai que moi maintenant, j'ai toujours eu du mal à travailler ce genre de coloriage. Donc voilà pour la première partie. Donc voilà, vous m'aurez vu faire une fleur. Et je pense d'ailleurs mettre ces vidéos dans la catégorie je teste pour vous. Donc là, ça va être je teste pour vous le grayscale. Dites-moi si en commentaire si vous arrivez à colorier du grayscale, parce que j'ai vraiment énormément de mal à colorier ce genre de dessin. Alors que je trouve ça vraiment très très joli, mais je sais pas, je n'arrive pas. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je pense que la prochaine fois, je ferai les oiseaux. Et ensuite, je découperai les deux autres parties avec les cheveux, le visage et puis les vêtements. Donc voilà, donc c'est tout pour cette première partie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.